On est aujourd'hui à Nantes. Je me trouve actuellement à Angers pour vous parler d'apprentissage. J'étais invité par les Compagnons du Devoir. C'est une compagnie qui forme des jeunes en métier. Et ils m'ont proposé de tester un de ces métiers pendant une journée à La Rochelle. J'ai très très hâte. Je vais découvrir avec un apprenti des Compagnons le métier de maçon. Le but de cette journée, ça va être de découvrir son métier et de voir un peu comment ça se passe. Let's go! Bienvenue à la maison! Je voulais faire les Compagnons de Devoir. Je suis allé aux Journées Portes Ouvertes à Bordeaux. On m'a vraiment expliqué, dirigé et je suis tombé vraiment amoureux. Il y a beaucoup de pratiques. Pour apprendre le métier, c'est vraiment plus facile. Tu peux toucher du bois, du carbone, tu peux souder, faire tellement de choses. Le Tour de France, c'est sur à peu près 6 ans. Tu vas dans différentes villes, donc tu voyages. Ça me permet de voir tout dans le métier, voilà, c'est ça. Donc t'as envie de découvrir la France à travers ton métier. C'est ça. Un savoir-faire d'une personne, ça va pas être le même que quelqu'un d'autre. Là, je vais apprendre d'une manière, de travailler d'une manière, et après je vais aller voir quelqu'un d'autre, il va me rapprendre d'une autre manière. C'est pas juste une école, un apprentissage, il y a toute une philosophie. J'ai bien aimé cette mentalité aussi de changer de vie tous les ans. Enfin, on est super soudés, fidèles. C'était vraiment une journée hyper enrichissante et c'était tellement diversifié au niveau rencontre. J'ai vraiment énormément appris. Tout le monde que j'ai rencontré là-bas avait tellement de connaissances dans leur métier, dans leur milieu. C'était vraiment impressionnant. Une aventure à faire, quoi. Et c'est, je pense, le meilleur moment de ma vie. Donc ça, enfin, moi je pense que c'est une très bonne expérience à faire. Et puis, il faut y aller, quoi.